Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je voudrais que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit réellement élevé ce soir. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui doit être élevé sous la terre. Parce que quand je vois ce qui se passe ce soir, ça me pousse plus à avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je tiens énormément à ce que le nom de Jésus soit élevé. Et que moi je diminue. Et je voudrais tous ensemble, vous et moi, nous puissions tous nous mettre debout afin d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifions son nom. Prions ensemble, bénissons le nom de Jésus. Jésus, je voudrais t'élever ce soir. Je voudrais te magnifier, Seigneur. Car c'est lui qui a vu sur la terre et que tout un homme confessera que tu es réellement le Seigneur. Alléluia. Je tiens, Seigneur, à t'élever ce soir. Paix dans le nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus prendre autorité en ce lieu. Au nom de Jésus. Le sud, l'est et l'ouest, Seigneur, également le centre, soit réellement au-dessus des louanges imprégnées de ta puissance divine, Seigneur, au nom de Jésus. Au magicien, les bienvenus, Seigneur, mais dans le nom de Jésus, je demande à ce que toutes les personnes qui pratiquent l'occultisme soient de telle ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci car tu es vivant. Tu es réellement, Seigneur, ce soir. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais chanter ensemble pour la voix de Dieu. Nous allons tous ensemble pour que le nom du Seigneur soit élevé. Yeah.
Avant de commencer le message, après avoir élevé celui qui doit être élevé, je voudrais bénir également les hommes de Dieu du quartier 13. Et remercier également les serviteurs des villes avoisinantes. Pour leur collaboration à cette croisade d'évangélisation. Sans leur aide, il n'y aurait pas eu cette réussite. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais également honorer l'apôtre Djadji. C'est un ami, Djadji Pascal, c'est un ami très proche. Qui est souvent avec moi à Paris. Et il est de la Côte d'Ivoire. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Et je sais que nous serons beaucoup bénis également. Pendant son séjour à Kinshasa. Je le demanderai de se mettre debout et nous allons après. Amen. Je suis venu également avec mes enfants spirituels. Qui sont venus avec moi. Je le demanderai de se mettre debout. Nicolas et Maïva. Bangoana Nicolas Pemaïva. Alléluia. Amen. Ce soir, le royaume des ténèbres a un problème sérieux. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas un hasard si on est là ce soir. Si Dieu a permis que cette croisade ait lieu en ce lieu. Précisément à l'emplacement où il y avait l'ancien cimetière de quartier 13. C'est parce que Dieu sait pourquoi. Et pendant que j'étais à Paris, le Seigneur m'a donné un message qui va de pair avec cet emplacement. Et je sais pourquoi le Seigneur a permis cette rencontre. Dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du premier verset, la Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme. Dieu me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Le prophète Ézéchiel, c'était un prophète que Dieu a élevé à son époque. Et il dit que l'Esprit de Dieu l'avait transporté.
C'est-à-dire son esprit a été transporté spirituellement. Et Dieu l'a déposé au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ces ossements étaient dépourvus de la chair. Ces ossements des os étaient dépourvus des nerfs. Ces os étaient dépourvus de l'esprit. Et la Bible nous dit que Dieu l'a placé bien au milieu de ses ossements. Il ne se retrouvait dans un endroit où il n'y avait point de vie. Il était le seul à vivre, à avoir la vie en lui. Et quand une fois que Dieu l'a placé au milieu de ses ossements, Dieu va lui poser la question suivante. Fils de l'homme, c'est faux. Pourront-ils revivre? Ézéchiel étant humain, il était limité. Il ne pouvait pas, il ne pouvait rien faire. Cette question l'a dépassé. Cette question a dépassé sa force. Et il n'avait pas d'autre réponse que de dire, Seigneur, tu le sais. Dieu étant omniscient, il sait toutes choses. Et Ézéchiel connaissait parfaitement son Dieu. Et tu dis, Seigneur, étant omniscient, tu sais toutes choses. Et tu sais si ces os vont revivre ou pas. Mais moi, je suis limité. Et la Bible nous dit, Dieu va nous répondre. Dans le verset 6, verset 4, il me dit, fils de l'homme, prophétise sur ces os. Yoko sakola natina na mikua ou. Dis-le. Loba na mikua. Osoma desséché. Mikua kauka. Écoutez la parole du Seigneur. Yoka ma loba na nzambe. La première chose que Ézéchiel devait faire. Eloko ya libosé, c'est qu'elle est sala qui a sala. De prophétiser. Ezala qui est sakola. De dire à ses osoma. Aloba na mikua ou. Il devait écouter la parole du Seigneur. Ezengela qui a yoka ma loba na nzambe. Donc par là nous comprenons. Wana nelviso to sosola. Que la parole du Seigneur n'est pas limité par la mort. Quelles que soient les difficultés, la parole de Dieu peut atteindre, peut aller au-delà des difficultés. La Bible nous dit, dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Dieu envoya sa parole. Et sa parole est délivrée. Et la Bible nous dit, le commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit également, et rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. C'est-à-dire la parole de Dieu. La parole est ta créatrice. Ses ossements devaient l'écouter. Car la Bible dit également, dans Romains 10:17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ses ossements dans leur détresse. Ses ossements devraient écouter la parole de Dieu. Non seulement elle est créatrice, mais elle est également génératrice de la vie. Elle est également la source de la foi. Oh, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Parce que Dieu étant dans un domaine surnaturel, et nous dans le domaine naturel, pour accéder au domaine naturel du domaine. Du domaine naturel au domaine surnaturel, il nous faut la foi. Et la foi, la Bible nous dit que la parole suscite la foi. Et les ossements devaient écouter la parole du Seigneur. Et
Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné l'argent. Dieu n'a pas donné autre chose que la parole de Dieu. Car la parole a tout créé. Elle était au commencement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le 5. Dieu dit maintenant, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La parole de Dieu est sortie. Maintenant les ossements ont commencé à écouter la parole de Dieu. Et cette parole c'est quoi? Hein? C'est que Dieu va mettre un esprit en eux. Alors la Bible nous dit, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. La Bible dit il envoya son esprit. Et ils sont recréés. La Bible dit que l'esprit de Dieu amène la vie. Christ dit dans Jean 6. Il dit la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais l'esprit amène à la vie. Dieu maintenant va promettre à ses ossements qu'il mettra en eux un esprit. Et ils les revivront. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Je vous donnerai dans le site de nerfs. La première des choses. Je promets les nerfs. La deuxième chose. Je ferai croître sur vous la chair. La troisième chose. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis éternel. Et c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui la reprends. Alléluia. Amen. Je promets quatre choses à ces ossements. Et la Bible nous dit, dans le 7, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Le même bruit qui va se réaliser lors de la Pentecôte. Le bruit d'enfant un peu tué. Ce même bruit qui accompagne les enfants lorsqu'ils viennent au monde. Qui prouve que les enfants sont vivants. Ce bruit nous dit que pendant qu'il prophétisait, le bruit a commencé à se faire entendre. Et pendant qu'il prophétisait, la première des choses c'est le bruit. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, il se fit un mouvement. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui bouge. Lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il a eu du bruit. Il a entendu ce bruit. Le mouvement a commencé à se faire. Alléluia. Amen. Ces ossements commencent à se rapprocher les uns des autres. Et dans 8, il dit, je regardais et voici il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau est couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Là Dieu va encore ordonner à son prophète. Le prophétiser. Dans le verset 9, il dit,
9 à l'objet de Yoka. Prophétise. Sakola. Et parle à l'esprit. Fais l'obain à Molimo. Parle à l'esprit. L'obain à Molimo. Prophétise, fils de l'homme. Sakola, mon anamoto. Et dis à l'esprit. Fais l'obain à Molimo. Ainsi parle le Seigneur. Esprit. Esprit. Viens de quatre vents. Yaka n'angomba n'angamba. Souffle sur ce monde. Fais kota kati na ba. Et qu'il le revive. Fais bangoba sur vos mots. Alléluia. Amen. Nous savons dans le monde. Il y a quatre points cardinaux. Il y a le nord. Il y a le sud. L'est et l'ouest. C'est en forme de carré. Et Dieu maintenant a dit à son prophète. Fils de l'homme. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Dis au de souffler de quatre coins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que l'homme prophétise. Alléluia, témoin à la moto, ça colla. Que l'esprit vient du nord. Et tu es molimo ou tanangamo. Il vient du sud. De l'est et de l'ouest. Et qu'il souffle sur ses ossements. Les ossements qui ont eu de la peau du nerf et ainsi de suite. Et Mikuao est comme un consommateur. Alléluia. Amen. Au début, je vous disais que c'est un message prophétique. Car nous sommes exactement dans le quartier 13. Et c'est le dernier quartier de la zone de Njili. Et si vous prenez les 13, vous additionnez 1 et 3, ça fait 4. Si tu fais une addition, 1 plus 3, ça fait 4. Ce qu'on s'est dit, c'est 1 plus 3, ça fait 4. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur me révèle, c'est qu'il y a eu une concentration forte de sorciers au sein de cette zone. Précisément dans le quartier 13. Vous remarquerez. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans ce quartier. Rien ne marche. Parce qu'il y a un aéroport dans ce quartier démoniaque, satanique. Alléluia. Amen. Le diable, Satana, avec ses agents, avec ses démons, vous possédez la zone de Njili. Ils ont choisi le quartier 13. Ils ont établi leur état-major. Alléluia. Amen. Ce qui fait que ici, à l'emplacement où nous sommes même là, où il y a eu l'ancien cimetière, il y a eu beaucoup de magiciens qui ont fait de la sorcellerie ici. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés ici spirituellement. Il y a la richesse de beaucoup de gens qui ont été enterrés ici. Il y a beaucoup de famille dont la santé a été volée et enterrée ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorciers qui venaient de tous les pays pour venir faire des sacrifices ici. C'est pour cela qu'ils ont choisi ce quartier 13. Vous liez toute la zone d'Njili. Ce qui fait que dans la zone d'Njili, il n'y a personne qui perce même spirituellement. Parce qu'il y a une forte concentration de la puissance démoniaque. Concentré à ce même emplacement. Et comme Dieu avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Alléluia. Amen. Il y a eu les anciens maires de ce quartier. Ezalaki na bakonzi ya kala ya quartier oyo qui ont fait des pactes avec Satan. Bangoba Ezalaki boyo kanina Satana. Lorsqu'il y avait encore ce cimetière. Wana cimetière Ezalaki na lokunda bato. Vous liez toute
quitte la zone d'Angélie. Il y a eu beaucoup de sacrifices des enfants, des bébés. Beaucoup de sang qui a coulé ici. Et ce qui fait que le diable avait pouvoir sur cette zone. Une atmosphère lourde était au-dessus de cette zone. Et ils ont pris les 4 points cardinaux. Dans chaque point cardinal, ils ont mis des princes. Parce que la Bible appelle des principautés. Et l'Esprit de Dieu me montre ça. Les principautés ont chacune une clé. Ce qui fait qu'ils ont lié beaucoup de familles, beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose. Que le vent va souffler de quatre coins. Cardinaux. Gloire au Seigneur. Et que toutes les alliances concluent avec le monde des ténèbres. Toutes ces alliances seront paralysées. Parce que je connais un homme qui était venu en chair et en os. Qui a versé son sang. Cet homme qui était humble. Qui est né dans une étable. Qui est né dans une étable. Il a été déconsidéré. Il a pris la forme humaine. C'est lui qui a créé toutes choses. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Et cet homme, la Bible nous dit, arrivé à l'âge qui devait mourir pour le sacrifice du monde entier des hommes, il a donné sa vie, la Bible dit. Après ce qui m'ont dit, il a versé son sang à la croix. Il était dévidé de son sang. Et trois jours après, pendant que dans le monde des ténèbres, le diable pensait qu'il avait tout accompli. Qu'il avait vaincu. Qu'il avait pris la domination. Parce que c'était le dernier Adam. La fête battait son plein. Pendant que les sorciers dansaient. Pendant que le diable dansait. Et la Bible nous dit que la terre ne pouvait pas le contenir. Tellement qu'il est puissant. Tellement qu'il est puissant. La terre l'a vomi. Ah, la Bible dit. Il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et lorsque le troisième jour est arrivé, le diable commence à se poser des questions. Parce qu'il commençait, la terre commençait à gonfler comme de la pâte qui gonfle. Alléluia. Amen. Le troisième jour, la Bible nous dit, il est sorti du tombeau avec un corps glorieux. Et dans le livre d'Apocalypse 1, Alléluia. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse 1:18, va se révéler à son serviteur Jean. Il va lui dire, voici mon serviteur, j'étais mort, c'est vrai, pour vos péchés, pour vous racheter de la mort, de la malédiction, de la condamnation. Et voici, je suis revenu à la vie. Alléluia. Amen. Il dit, je tiens. Je tiens. Les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Il dit, allez-y prêcher la puissance de la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi, il aura les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grand. Parce que j'en vais au Père. Alléluia. Amen. Et je sais cet homme-là est encore vivant aujourd'hui. Il le sera encore demain. Et après demain. Tout est bon. Alléluia. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur.
makasi. Betela nkola maboko. Les gens enterrés ici, bato bakunda awa. Les gens enterrés par la famille, bato elibote kundaka awa. Ce soir, n'importe quoi lelo. Par l'esprit de Dieu, nandela na molimo na nzambe. Il veut ramener à la vie. Bakosonga na bomoi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un là-bas, une femme. Ezana mo si poko. Marie Claire. Comment na Marie Claire? Là. Awa. L'esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Va te libérer ce soir. Eliko kango. Nzambe lo bina mo sakoli Ezekiel. Fils de l'homme. Mwana na moto. Prophétise. Sakola. Dis à l'esprit. Loba na molimo. Soufflez. Père fou là mon pépé. Dis, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Ezekiel a dit que na sakola qui na lolenge tinde pe. L'esprit de Dieu entra en eux. Mpe molimo na nzambe koti kati na bango. Et ils reprirent vie. Mpe bango ba songi kati na bango. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et alléluia. Amen. Écoutez bien. Yokanga malam. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu réellement vivant. C'est un Dieu qui agit de la même manière qu'il a agi au temps des apôtres. Parce que dans Jean 5, 17, Jésus a dit une chose. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Jésus ce soir agira. Jésus le soir. La Bible nous dit, là où s'arrête la force humaine, là où s'arrête la sagesse humaine, là où s'arrêtent les moyens humains, et c'est là qu'il commence justement la puissance de Dieu. Dieu n'agit jamais dans la facilité. Dieu agit lorsqu'on est devant une difficulté insurmontable. C'est là que Dieu va se révéler. Pour nous prouver sa toute puissance. La Bible l'appelle El Shaddai. Bible El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Le Dieu d'Abraham. Et ce soir, si tu crois réellement cela, si tu crois la parole révélée de Dieu, si tu ouvres ton cœur réellement à celui qui est mort à la croix et ressuscité pour toi, Jésus va te sortir de ta situation. Ça ne sera pas parce que tu donnes la dîme. Ça ne sera pas parce que tu donnes de l'argent. Ça ne sera pas parce que tu es sur les pieds des hommes de Dieu. Comme beaucoup l'ont fait croire. Et si on donne à l'argent qu'on reçoit la guérison, et si on essuie les pieds des hommes de Dieu que tu seras béni, mais si on ouvre ton cœur à celui qui est mort à la croix et ressuscité pour toi. Et ce nom de Jésus de Nazareth. Et ça nous voit ton cœur. Car la Bible dit, par la foi il est impossible. Ce lui est agréable. Alléluia. Amen. Dieu donne maintenant la signification de cette révélation. À ton prophète. Il me dit, fils de l'homme. Ces hommes de toute la maison d'Israël. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Combien ce soir se sont déclarés vaincus? Combien ce soir sont déclarés vaincus par l'ennemi, par la maladie, par la condamnation? Combien se sont dit, moi, je ne pourrai plus voyager? Parce que je fais plusieurs tentatives. Je suis perdu. Alléluia. Amen. Tu dis, fils de l'homme, c'est son chemin, c'est la maison d'Israël. Et ce soir, Dieu dit la même chose. Tant que tu n'es pas mort, quelle que soit la grandeur, la gravité de tes problèmes, mais sache une chose. La Bible nous dit que notre Dieu est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir
sa grandeur. Alléluia. Amen. Quand on regarde les cieux, Bible dit les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Ton problème est minime par rapport à la grandeur de Dieu. Ton problème est petit par rapport à la grandeur de celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, dis-le. Alors, dis quand fils de l'homme, dis-le. Je vous sortirai de vos tombeaux. J'ouvrirai vos sépulcres. Vous en sortirez de ce sépulcre. Je vous remplirai de mon onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit vous êtes payé d'abord pour avoir l'onction. Il faut faire une offrande. Pour avoir l'onction, pour avoir mon esprit, pour ton son, mon il a dit une chose. Alors, alors, comment, il a dit une chose. Alors, fils de l'homme, dis-le. Je le ferai. À condition qu'il croit en moi. Il a dit la parole de Dieu. Alors, celui qui croit en lui ne sera point déçu. Celui qui marche selon sa parole ne sera point déçu. Alléluia. Amen. Et ce soir, Jésus est là pour toi. Ce soir, je veux te dire une chose. Si tu veux réellement voir le changement dans ta vie, sache une chose. Pour que tu libères sincèrement ton cœur. Car Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 ans, venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués. Toi qui es fatigué à cause de ton fardeau, toi qui es fatigué à cause de ta maladie incurable, toi qui es fatigué à cause de la pauvreté, Jésus a lancé un appel général en disant venez à moi, vous qui êtes premièrement chargés, car lorsqu'on est chargé, à force de marcher avec cette charge, on finit par être fatigué. Tu vas te fatiguer. Mais Jésus te lance un appel. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ouvre ton cœur réellement à la parole de Dieu. Et Jésus changera ta position. Car il n'y a point, de désespoir avec le Seigneur. Il n'y a point de désespoir avec le Seigneur. La Bible dit pour ceux-là qui sont en Christ dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Alléluia. Amen. Je suis sûr et certain ce soir, si tu ouvres ton cœur à la parole du Seigneur, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, pas un prophète, pas moi, car je suis mortel. Et si tu acceptes celui qui était mort et qui est sorti du tombeau, si tu le fais sincèrement ce soir, Jésus changera ta situation. Alléluia. Amen. Car il a le pouvoir sur la mort. Il tient les clés de la mort maintenant. Notre Dieu règne. Il est réellement vivant. Alléluia. Amen. Il va changer ta position ce soir. Il va changer ta situation ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe là? Il y a des esprits démoniaques qui commencent à m'embêter. Je voudrais d'abord faire appel à ceux-là qui veulent réellement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sur tous ces esprits. Alléluia. Amen. Il y a même parmi nous un groupe de sorciers. Qui est venu pour attaquer, mais l'Esprit de Dieu est en train de tout contrôler. Alléluia. Amen. Il y a même au milieu de nous des gens qui pratiquent la magie, qui sont venus pour voir, mais l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, je le contrôle dessus. Reste calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je sais une chose. Après mon départ, les sorciers seront bien confondus. Alléluia. Amen. Je sais une chose. Après cette croisade, les églises de quartier 13 vont être débordées. Parce que la puissance de Dieu va s'abattre sur ces églises. Alléluia. Rejetés seront élevés par l'Esprit de Dieu. Car Dieu me dit, mon fils, je vais prendre les choses des villes du monde pour confondre les fortes, les choses les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu me dit, mon fils, je vais leur ouvrir des portes sur l'Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À lui la gloire. À lui la puissance. Je voudrais premièrement faire appel aux gens qui veulent réellement donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Qui veulent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Toi qui pratiques la sorcellerie. Toi qui pratiques la magie. Sache une chose. Que ta vie ne tient qu'un fil. Et si Dieu coupe ce fil, tu passeras. Demande-toi, pose-toi une question. Combien de gens qui ont pratiqué la sorcellerie et la magie avant toi? Et aujourd'hui, ils n'y sont plus là. Ils sont morts. Pense à ta vie. Après la mort, car il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler devant les gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'ils puissent recevoir la vie de Dieu. Et après, l'Esprit de Dieu fera ce qu'il fera. Pendant que les musiciens nous chantent un chant, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle, vous allez avancer et vous allez accepter le roi des rois. Et vous allez recevoir la vie de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je demande aux gens qui veulent accepter le Seigneur, il n'y a pas de honte à avoir. Dieu t'attend. Avance et accepte ton Seigneur afin de recevoir la vie, la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous attend. Talankolo azakozela yo. Qui sait, peut-être demain tu ne seras plus là. Alléluia. Alléluia. Oh,
Yes, in the Kumalabu. Parce que vous avez répondu à l'appel. Vous devez savoir une chose. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, et ni de la volonté du sang. Ce soir, vous avez pris une grande décision qui va déterminer la réussite de votre vie spirituelle. Car Paul nous dit dans la Bible que les choses naturelles, les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ce que vous avez fait, l'acte que vous avez fait ce soir, dans le ciel, selon la Bible, c'est une grande, grande fête. Ma joie est comblée, ma joie est parfaite. Quand je vous vois, ce sont les confets de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Dès l'instant où tu vas accepter le Seigneur, tu vas avoir la vie éternelle. Tu auras l'espérance du salut. Et tu vas apprendre à vivre par la foi. Avec votre cœur. Parce que la repentance c'est sincère. C'est celle du cœur. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Né dans le péché. Et que sans toi, je n'aurai point de vie. Je dirigeais ma vie personnellement jusqu'à ce soir. Et ce soir, je viens devant toi. Car tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Je t'accepte ce soir. Je te donne ma vie. Conduis-la. Dirige-la. Et tu as dit, si je t'accepte, tu me donneras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, je t'ai accepté. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus condamné. Merci pour le pardon de mes fautes. Pour ton sang précieux qui m'a lavé. Je confesse la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faudrait pas, frères et sœurs, prendre à la légère cet engagement. Je vous demanderai sincèrement de donner réellement vos adresses correctement. Car ça ne sert à rien. Tu ne mentiras pas aux hommes. Mais tu te mentiras à toi-même personnellement. Premièrement. Et après à Dieu. Je vous fais confiance. Car c'est votre vie qui en dépend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Je reviens tout à l'heure. Après les offrandes, pour libérer l'Esprit de Dieu dans l'Assemblée. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Pour que les gens de Sida soient guéris. Les gens qui ont la tuberculose soient guéris. Et les gens qui ont des problèmes des yeux guérissent. Que les sourds se mettent à entendre de nouveau. Alléluia. Amen. Que Jésus là, ne partait pas. Nous allons vivre de la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Une telle onction de Dieu ici. Et pourquoi nous avons dit si kakati na bisikoye? Une telle puissance de Dieu ce soir. Guyana nous avons mis na pourquoi ouawa? Que beaucoup de gens seront délivrés. Bibele na bato bakokango la malelo. De la puissance de la maladie. Nanguyana bonkono.
de la puissance de la mort, Nanguya na kufa, de la puissance des ténèbres, Nanguya na misala molili. Oh Jésus, merci. Oh Yesu na tondio. Pour ton peuple, Seigneur. Bona libota yale le paina yo. Ce peuple que j'aime tant, Seigneur Dieu. Libota yo ninga kamingi koleka. Seigneur éternel Dieu. Oh, Nkolo Nangai, toi qui m'as envoyé en ce lieu, je viens devant ton trône, na yeli boso, afin de te présenter au Dieu, mpona kotalisa yo libota, ce peuple au Père, libota yo nzambe nangai, que ton fils a acquis, oyo mwana na yo ayebaki na konswa, ah, ton sacrifice douloureux à la croix, na nzela na mbeka na ye na pasi na koloso, ce sacrifice tellement douloureux, Seigneur. Ce peuple pour qui tu as donné ta vie, Seigneur Dieu. Ce peuple qui a répondu à l'appel ce soir. Saint-Esprit. Voyez mon santo, toi qui es mon associé. Yo no saka na ngabo salelo. Yo no lo bakina ngai. Je serai avec toi. Na ko salelo ngona yo. Ce soir. Na poko oyo. Demain. Lobi. Tous les jours. Pelibela libela. Ce soir. Kasi na poko oyo. Saint-Esprit. Voyez mon santo. Je viens te laisser. Na ye komenga yo. La place. Koti ke sika na ngai. Il te revient. Oye zongi epai na yo. Grâce à toi. Oh nzela na yo. Je ne suis rien. Na zaye lo kote libota. Sans toi. Je ne peux rien faire. Toi qui m'envoies dans le monde. Et ce soir. Saint-Esprit. Je te demande une chose. Viens avec moi. Et ensemble avec toi et moi. Élevons celui qui doit être élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit lorsque tu seras venu. Tu glorifieras son nom. Et je veux ce soir que le nom de mon maître soit élevé. Afin que le monde voit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme Paul disait, ma parole et ma prédication ne repose point sur des paroles persuasives, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, je demande maintenant que ton onction souffle en ce lieu. Nous allons élever nos mains pendant que je parle. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Je demande au protocole. Bien veiller. Car il y en a qui vont courir jusqu'à devant ici. Sous l'onction de Dieu. Et pendant que je pars, la puissance de Dieu arrive. Que l'Esprit vienne. Et de l'Ouest. L'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Laissez-moi comment tu as quitté les actes. La vérité, voilà comment l'Esprit agit maintenant. Voilà comment l'onction agit maintenant. Voilà comment l'onction agit maintenant. Voilà comment la puissance de Dieu. Ça passe dans l'assemblée de Dieu. Laissez-moi la gloire de Dieu. Laissez-moi la guérison. Il y a des yeux qui s'ouvrent maintenant. Et des yeux qui s'ouvrent maintenant. Hallelujah. Hallelujah.
Il y a des choses qui se passent ici. Toi, lève ta main seulement. Laisse l'esprit de Dieu te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Mon fils. Il y a des miracles qui s'opèrent maintenant. Il y a des yeux d'aveugles qui commencent à s'ouvrir. Il y a des oreilles de sourds qui commencent à s'ouvrir. Dieu m'a dit, mon fils, il y a des boiteux qui commencent à se lever. Ma puissance arrive en ce lieu. Dieu me dit, mon fils, il y en a même qui sont pointeux. Ils vont sauter ce soir. Dieu m'a dit, mon fils, je suis en train de réveiller, de renouveler mon peuple. Dieu m'a dit, au milieu de ce peuple, et des évangélistes, Dieu me dit, mon fils, je le crois. Je le crois. Car c'est pour cela que je t'ai envoyé ici. Dieu est en train de prendre ton peuple. Il y a une onction prophétique qui arrive ici. Jésus, il n'a pas encore senti que vous y allez à la fin. On m'aura saca. Il y a Baracas. Il court, il court, il court, il court. Il court dans l'onction. Il court dans l'onction. Il court dans l'onction. Baracas, il s'appelle. La rampe dans le feu. Il y a Baracas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde là-bas. T'as la lumière sur quoi? Tu es guéri maintenant. T'as la tête sur Kangola. Tu es paralytique. T'as la tête sur Kangola. Seigneur, merci pour ton onction. Alléluia. Merci pour ton onction. Merci, Zambé. Merci pour ton onction. Merci pour les paroles minayo. Alléluia. Merci pour les paroles minayo. Jésus. Yesu. Merci. Merci Nzambe. Car tu libères ta gloire. Poto kangoli libota na. Tu libères ta gloire. O kangoli kembo na yo. Tu libères ta gloire. O kangoli kembo na yo katina bisiko. Tu libères ta gloire. O kangoli kembo na yo. Yana. Ezaina baoyo. Il ne parlait plus en langue. O basi ko lobani tumo na kolesikate. Je me dis mon fils, je remplis. Nzambe mina na imwana na kozo kisa. Je remplis cette masse. Na tondi se tuluku na batoyo. De ma gloire. Na kembo na ngai. De ma gloire. 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 La gloire, le feu. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Tu Simba. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Yeah.
Katina Masumu Opetolinga ina makila na yo Petolanga ipetolanga yawe Hallelujah Opetolanga ipetolanga yawe Katina masubu yeswe Yo petoli gai na makila na yo Yo loko takina yi Katina masubu ya ya e Yo petoli gai na makila na yo petola gai yawe Oh yawe Petolanga Yahweh Alleluia, Alleluia Toko bele la mosia Toko bele la yaya Yemba Alleluia Kumisama A chanson la ma, a netto la ma, o libera na. Yemba alleluia, a boumisa ma, a sanjo la ma, a netto la ma, o libera na. Likuzina moto, likuzina moto, eye, likuzina moto. Je te bénis, Saint-Esprit. Na pamboli yo pona misala na yo. Pour ce miracle que tu es en train d'accomplir dans ce lieu. Pona bikamu e uti kosala katina bisika oyo. Tu es en train d'accomplir dans ce lieu. Mpe ozali kokoba kosala. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. L'Esprit de Dieu me dit. Moyimo na nzambe lobi na ngai. Toutes ces femmes qui avaient des problèmes de stérilité. Basi yo nyonso bazanga ki mabota. Pendant que je pose ma main sur mon ventre comme ça. Tango na tie loboko na ngai na libumu na ngai boye. La puissance de Dieu est en train de toucher ces femmes. Moyimo na nzambe sikezo ko simba basi yo wana. Toutes les femmes stériles, pendant que je pose ma main comme ça. Basi yo nyonso babota ngate sikanga na simbi libumu na ngai. Dieu me dit je touche. Moyimo na nzambe lobi na ngai na simbi pe yo bino. Voyez ça, voyez ça. Tala boye. Dieu est en train de toucher ces femmes. Tala nenga zo ko simba basi wana. Yesu. Dans le nom de Jésus. Na komba na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na komba na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na komba na Yesu. Dans le nom de Jésus. Na komba na Yesu. Dans le ventre de ces femmes. Au nom de Jésus. Prophétise le
Alléluia. Amen. En face de moi, vous allez me regarder s'il vous plaît. Élevez vos mains vers le Seigneur. Vous êtes ici en face de moi. Dieu t'appelle, toi qui es là. Touche mon front comme ça. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche. Maintenant je touche mon front. La gloire de Dieu arrive sur toi. Il y en a qui pensent qu'ils vont résister à cela. Mais ils ne vont pas résister. Parce qu'il y a une telle gloire de Dieu. Dieu t'appelle appelé des gens. Mon fils, à ta droite, là, là, un vrai évangélique.
Ça continue à toucher là-bas. Dieu me dit ici. C'est une onction évangélique. Et par quoi moi je suis sous? Regarde-moi. Les évangélistes que tu vas citer ici. Regarde-moi. Lève-moi. Lève-moi. Lève-moi.